meilleure nouvelle. Ma meilleure amie va avoir un bébé. Je suis trop excitée. Et comme le veut la tradition, je vais lui préparer une baby shower inoubliable. Allez, c'est parti. On met un canard en plastique dans la baignoire, un pommeau de douche et je vous garantis que ce cocktail, c'est de la bombe. Pour la déco du verre, c'est ultra simple. Je prends un peu de mousse de mon cocktail, une brochette de fruits et pourquoi pas un canard en plastique. Les cocktails biberons sont aussi mignons qu'ils sont délicieux. Il nous faut juste du sirop de framboise, du jus de pamplemousse, des framboises fraîches, un peu de glace pilée et de l'eau gazeuse. On shake et ça se boit à la paille. Ou si vous préférez, au biberon. Maintenant, regardez bien. Pour la décoration, suivez bien mes gestes pour reproduire ces adorables nounours en ballon. Trop mignons. Je prépare plusieurs casse-croûtes pour l'occasion. Premier encas, je prépare des tutus en embrochant un papier à cupcake et une guimauve que je vais tremper dans du chocolat blanc et des jolies vermicelles tout roses. Pour le second, j'écrase des oreos que je mélange avec une boule de cream cheese. Je vais former un petit ballon que je trempe dans le chocolat et je dessine les coutures avec du glaçage. Pas mal, hein? On continue avec un triangle de pâte feuilletée avec lequel je vais faire une petite couche. Je dépose une petite crotte en chocolat, je replie et j'enfourne. Oups, je crois que la couche est pleine. J'émiette un carrot cake avec une fourchette, je mélange avec un peu de cream cheese et je viens former des boules. Je les plante aux deux bouts d'une paille et les trempe dans du chocolat blanc bleuté. Un peu de glaçage pour la décoration et je finis avec une petite étoile et un joli ruban. Ma meilleure amie adore les œufs mimosa. Pour l'occasion, je prépare des petits landaus trop mignons. Je retire le jaune, un peu de mayo, un peu de moutarde et je mets la préparation dans mes landaus en blanc d'œuf. J'ajoute une petite tête de bébé en saucisse, un ruban en ciboulette et une touche de paprika. Pour les pots de charcuterie, j'imprime Baby sur des petits cubes de fromage, quelques raisins, des crackers, du prosciutto, des graissins et une rose en salami. Pour le plat principal, je coupe un cake salé en forme de body. J'étale du cream cheese sur le dessus, quelques fleurs de carottes, des mini-feuilles de basilic et un peu de ciboulette. Je fais les contours avec du cream cheese coloré en vert. Et bon appétit mon petit bébé! J'adore ces moments de célébration entre amis. Même si tout le monde se demande, c'est une fille ou un garçon? On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Party Table, la plus belle table. Nouveau thème, nouvelle table. À bientôt!